Cette rencontre, c'est parti direct. Eh bien bonjour le Guten Tag Niro, c'est Sam de TG 73. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT 17. On est sur FUT 17, je viens de me connecter avec un nouveau compte, j'ai enfin réussi et on se retrouve sur FUT 17. Alors il y a 2 minutes j'ai commencé une vidéo, mais je me suis aperçu qu'il y avait la musique et j'avais pas envie de me choper des droits d'auteur. J'avais juste un tout petit peu, j'avais juste mis les joueurs à sa place. Voilà, c'est tout ce que j'avais fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai rien touché, pardon. J'ai juste remplacé les joueurs comme ça. Et on peut voir qu'il y a déjà pas mal d'Allemands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au moins. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Allemands, c'est ça. On a eu 3 ors, on a eu un BU, ça c'est intéressant. On a eu aussi un défenseur, je vous fais toujours plaisir. Allez, on va pas perdre de temps maintenant. On va faire aujourd'hui quelques matchs. On va surtout faire les tâches managers. Pourquoi? Peut-être c'est un peu chiant, ce sera la première vidéo un peu découverte pour ceux qui connaissent pas FUT. Mais voilà, on va changer ce nom de club déjà. Alors je sais pas trop ce que je vais mettre Oh, je sais pas. Alors, on pourrait mettre comme l'équipe future, je sais pas quoi. On va mettre un truc comme ça, du genre. Bon, on s'en fiche, il n'y a pas d'accent, c'est pas très grave. L'équipe future, on va mettre S73. On va confirmer comme ça au moins. On gagne déjà un petit truc. Nickel, on gagne déjà 2 trucs. On va ouvrir les 2 récompenses. Le pack de démarrage pour commencer. Un petit stade, ça fait toujours plaisir. Hop. On va en faire le stade actif. Voilà. Bon, ça c'était un peu. C'était pas très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a? Un pack bronze. Un pack légende de pro. On va l'ouvrir après. On aura des quelques joueurs bronze. Attends, un goal, c'est pas très intéressant, c'est pas trop ce que je voulais. Ok, défenseur gauche, pas terrible. J'ai même un doublon déjà. Ok, mettre ça déjà sera plus sympa. On va tout envoyer vers le club. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va le vendre. Hop, 3 crédits déjà. Ça va très vite les crédits. Allez hop. Ça c'est peut-être le plus intéressant, j'espère un beau joueur. Les gens défenseur central. Carrego. Ok. Avec un défenseur gauche on en a pas mal déjà. AMD, ça c'est bien. On en a pas. Ok, donc sympa. On n'a pas eu d'allemand. AMD c'est toujours sympa. Ok, bon. On va aller essayer de mettre chacun des titulaires à son poste. Comment va-t-on faire? On va tout simplement déjà faire ça. Ça en attendant, on va le virer à la place de ça. Hop. Voilà. Au moins, on renforce l'équipe. Lui, attends, on va mettre ça comme ça. Lui, on va le mettre en remplaçant à la place de. De lui. Et lui, comme ça, on peut l'échanger avec la petite légende de prêt de 3 matchs. C'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours ça. Il nous faudra un MG ensuite. Ok. Donc on va aller s'acheter un petit MG. Non, on n'a pas assez de sous pour s'acheter un MG. Pardon. Placer ses titulaires au bon poste. Ok.
Attends, on va prendre déjà 7. Pas de contrat, ça on s'en fout. C'est chiant les contrats. Enfin, ça sert, mais là, tu vois, faut mieux avoir des joueurs que des contrats. Par quoi les principales vues? Ça, c'est facile. Voilà, allez hop, ça c'est fait. Trois liens verts, ça va être très dur. Le dispositif, ça on va le faire aussi. Bon, après on va voir quoi, on va voir un ballon. Allez, on va voir ce qu'on a eu, un joueur de prêt. Ok, un joueur de... Pas du tout. Un style. Ok, nul. Disputer un match, appliquer un élément contrat. Appliquer un élément forme, vendre un joueur, acheter un joueur et de réussir un défi créer son équipe. Ok. On va faire un match. Écoute, on va vite faire ce match. Et je propose de faire un match équipe de la semaine. Pourquoi? Parce que ça rapporte des sous. On va jouer en champion. On va tenter en champion. J'espère qu'on va gagner. Hop. Alors, on a quoi comme maillot? Oh là là, ils sont moches. Enfin, lui ça passe encore, mais l'autre il est moche. Allez, on va commencer ce match. Et en espérant gagner, comme ça nous fera déjà pas mal de sous. C'est parti pour ce match. L'équipe YouTube face à l'équipe de la semaine. L'équipe de la semaine composée de. On aime pas regarder, il y a Giroud, Eriksen, Higuain. Il y a qui d'autre? Il y a. Je sais même plus. Le gardien de AS Roma. Casemiro, Ben Yedder, qui joue très bien en ce moment, je pense. Très bon, le Wilson Ben Yedder. Allez, si on gagnerait en champion avec une équipe bronze, principalement, ce serait pas un mauvais résultat. Alors, en fait, j'avais fait une vidéo. C'était quand? C'est mercredi. Sur FUT, et en fait, je sais pas, au montage, il n'y avait pas le son. Il y avait le son, mais il n'y avait pas le. Je parlais pas. Enfin, on n'entendait pas ma voix. Du coup, bah, j'en fais une maintenant. C'était peut-être un peu plus intéressant de l'équipe qu'on avait eu. On avait eu une légende de près en B, un buteur, donc ça c'était cool. En plus, c'était bon, il était. Hernandez, mexicain. On avait fini toutes les tâches manager, on avait fait qu'un match. Je sais pas si on va faire plus, peut-être pas. Pas que ça dure trop longtemps non plus. On avait gagné le match quand. On avait gagné le match. Contre l'équipe de la semaine. Mais en pro. Et pas en champion. On avait gagné 3-0. Voilà, je me dis 3-0, si on gagne, on peut gagner un 1-0 au moins. En mode champion. Et donc voilà. Alors. C'est bien, ça décale en bas. Ça frappe. Oh, dommage. Je vais juste voir qui c'est. Ok, c'est Denis. Il s'appelle Denis, le BU. Or, corner, on sait. Même si c'est un peu compliqué les corners en ce moment. Dommage. Ok, Denis. Denis, faut jouer sur lui. Comme il est or, je joue sur plus sur lui que sur d'autres. De toute façon, le côté droit est pas mal, le côté gauche. A du collectif, le côté droit on a moins mais il est meilleur parce qu'il y a trois cartes hors du côté droit. Mais moins de collectif, mais je m'en fiche du collectif. Allez, ça c'est dingue. Quand on s'en passe, je peux pas tirer, il est pris, pas bien tiré. Ça c'est bien joué, voilà, premier but. Ça c'est bien joué, on sentait venir, oh là. Bien joué, 1-0. De réussite, c'est vrai. Il était pas hors jeu. Voilà, bien joué. On leur a bien suivi 1-0. On a fait peut-être le plus dur. On a fait le plus dur, ça c'est cool. Peut-être. Et bon, on n'est pas à l'abri d'un autre but parce que. J'ai pas encore vu. On n'a pas encore testé la défense, hein, même. Le gardien a rien fait et je sais pas s'il est bon ou pas bon. Du coup, voilà. Attention, Hotman. C'est dangereux. On se retourne, on tire, nickel.
Bien joué. C'est Denis, voilà. Denis, il est présent. Il est présent, Denis. C'est bien retourné. Et la frappe du pied gauche, imparable, 2-0. Pour moi. Enfin, pour nous. Parce que c'est une équipe, ok. Pour nous. Face à l'équipe Tochi. Enfin, pas l'équipe de la semaine plutôt. Qui n'a pas été dangereuse pour l'instant. Voilà. Voilà. En haut. Ah, je vais faire la passe en haut. C'est bon, il l'a vu. Tu remets dans la course. Tu remets dans la course pour Timor. La frappe de Timor creusée. Oh, oh, trop. Trop. Palacios. La lourde Palacios qui vient d'entrer. Palacios. Dommage. J'ai tenté une grosse frappe. Je me suis dit qu'avec un joueur argent, ça peut passer peut-être. Et c'était pas loin. C'était pas loin. Bien tenté Palacios. Donc il y a avant droit. Il est droit plutôt peut-être. Oh, je m'en fiche un peu. Je l'ai mis milieu. Je peux parler. Lourde. Palacios, je suis sûr qu'il a de la frappe, ce mec. Je sens qu'il a de la puissance de frappe. On l'a bien vu tout à l'heure. Oh, oh, cette frappe de Méré. La frappe du défenseur. Ah là, il serait rentré, ça aurait été très beau. Un but de très loin. Enfin, de très loin. Un défenseur surtout, c'est ça. Peter. Oh là là, ça frappe, ça frappe, ça frappe. Bon là, j'essaie de marquer un but de loin. Même pas le corner. Je marque pas souvent des buts sur corner. Ça aurait été marrant d'en marquer un là. Alors je... Mais regardez. Il peut y aller au but tranquille. Oh là là. Mais pour des pour niveau champion, je trouve ça vraiment faible. Tout à l'heure, j'ai essayé de jouer en ultime. Bon, c'était un peu dur quand même, ultime. J'ai perdu. J'ai pas non plus joué super bien. Allez, donc là ça fait des sous, c'est sympa. Ça fait des pièces. Et en plus on peut mettre un élément forme. Qui c'est qui a pas de forme? Lui. Lui, mais je vais en servir, je vais mettre lui. Après un peu de forme, on s'en fout si on l'utilise. On en aura d'autres, je crois. On lui met un contrat parce qu'on est sympa. Hop là. Et voilà. Ça nous fera un peu de sous peut-être à gagner. Alors voilà. Tac. Tac. Là, il y aura quoi des formes. Bah justement, voilà, des formes. Et nous, on a déjà fait 8 sur 14. 3 liens verts, ça va être dur, ça c'est assez dur. Vendre un joueur, ok, je sais comment faire. Acheter un joueur. Il faudra acheter un joueur à 200. Enfin, attendez, en fait, il faudra acheter un joueur pour mettre un lien vert. Est-ce qu'on a des liens verts? On n'a même pas de lien vert, on en a un là. Et là, c'est quoi? C'est Bundesliga 2. C'est Allemand 2. Donc là, on achète un MG Allemand 2. Comment on pourrait faire? Disons qu'on n'a pas d'autres Allemand 2. On en a un là, mais ça ira pas. Ce sera pas lien vert là. Si, ce sera lien vert. On n'a pas d'autres Allemand 2 du coup en fait. Allemand 1, Allemand 1. Si on fait ça. Ok, cool. En fait, on n'a pas besoin d'acheter un joueur. Mais on va quand même en acheter un. Lui, je sais même plus où je l'ai pris du coup. Je l'ai pris là. Ok, cool. En fait, c'est facile. Faut juste mettre des joueurs d'un même pays, d'un même club. Récompense joueur de prêt. Joueur de prêt, ça peut être sympa. Voilà, donc, Nicole n'est pas terrible. Un milieu droit, on aura. Oh là là, ils sont réunis. Pff, oh, c'est nul. C'est nul, ils sont réunis. On a Ribéry. Ah, ça c'est pas mal ça.
On a Jackie Chan et une forme, ok. Est-ce qu'on peut le vendre lui par hasard? Non, même pas, dommage. C'est sûr qu'il serait bien vendu, Berich. Dommage. Dommage. Placer des titulaires au bon poste. Donc, on va aller acheter un AMG espagnol. Allemand. Voilà, allemand qui jouerait en Bundesliga. Ce serait pas mal. Or, ça serait. On va prendre bronze parce que, après, moi je connais bien le truc. On va en avoir besoin pour le défi création d'équipe. Et on va pas se ruiner pour en achetant un AMG alors qu'on va le jeter dans pas longtemps. Tac. On va n'importe quel prendre. On va prendre celui-là par exemple. On va faire une offre. On va pas prendre 200 parce que au début les crédits sont quand même chers. On va voir si Berić, on l'aura eu, si ça aurait été intéressant de l'avoir. Parce que Berić, un jour Ligue 1, et genre Ligue 1 ça peut être sympa. Ouais, ça aurait été pas mal. Oh non, en fait c'est de la merde. Ah non, de toute façon il y aurait eu. Ouais, 1000. Même pas. Oh non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Écoutez, j'ai une technique aussi pour vendre un joueur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans. Vous allez mettre 350 achats immédiats. Vous allez mettre or. Vous allez prendre quoi? Vous allez prendre. Oh, je sais plus la technique. Faut prendre un poste en particulier, mais là c'est lequel? Voilà, lui par exemple. Et lui, on va le vendre. On va le vendre 300. On va perdre 300 crédits. 50 crédits, pardon. Mais il va se vendre au moins. Au moins, il va se vendre. Parce que j'ai la flemme de chercher un joueur à se vendre. Donc, on le met à 300. Sachant qu'on. C'est pas grave. Hop là. Ouais, peut-être qu'il va se vendre à 350 en fait. Ouais, je sais pas, on verra. On verra. Alors, on l'a eu. Oh là, il nous explique, c'est pénible, il nous explique. On l'a eu, c'est bon, on l'a déjà vendu. Vous voyez, on a perdu vraiment pas beaucoup de crédit en vrai. En vrai, on n'a pas perdu beaucoup de crédit. Nickel ça. Nickel. Alors, acheter un joueur, ok. Vendre un joueur. Ça y est, je l'ai vendu. Oh putain, ça n'a pas marché. Ah putain, je l'ai vendu pourtant ton joueur. Pff, oh là là, ça n'a pas marché. Oh merde. C'est con. Attendez, on va faire un truc. Ching Chong-un là, on va peut-être le vendre. On va essayer de vendre lui. Placer sur liste des transferts. Attendez, on va prendre ça. Je réfléchis à un truc. On va le mettre à 200. On va le lister. Des fois que. Sinon, on va réessayer. On va faire comme ça. J'ai pas la maîtrise encore. On va attendre. Je vais accélérer si ça vient pas. Voilà, donc j'en ai acheté un maintenant. On va tenter de le revendre. Listé. On va le mettre au même prix que tout à l'heure. On va soumettre. Allez, on espère qu'il se vende et que ça marche cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, ça n'a pas marché. Regardez, j'en ai vendu un. Ça y est. Putain, j'ai cru que ça n'allait pas. Tout à l'heure, il y a un bug. Il y a eu un bug, c'est dommage. Allez, on va prendre.
un pack récompense joueur de prêt avec un joueur or peut-être dedans, ça a été bien tout à l'heure. On avait un joueur or intéressant. Kappa. Oh là là. Et non, pas de joueur, cette fois-ci on a de la forme, du style. C'est pas trop ce qu'on demande. C'est pas trop ce qu'on demande. Et il ne reste plus que 3 tâches. On va acheter un élément consommable. On va passer les titulaires au bon poste. Donc, acheter un consommable, c'est facile. Vous faites quoi? Vous allez en consommable. Vous prenez un truc qui va pas vous coûter cher. Hein. J'ai pas envie de me ruiner. Et vous cherchez. Hein. Je vais pas me ruiner. Hop. J'essaie de le choper à 150. Ça serait intéressant. Un contrat or à 150. On va attendre. On va pas l'avoir. On va réessayer. Si on l'a pas, on va l'acheter. On va en prendre un autre, genre lui. On va attendre quand même si on l'a. Allez, plus que 10 secondes. J'ai peur qu'on l'avoir, ça serait cool. Comme ça, on aura même bientôt fini les tâches managers. Ça irait vite. Ok, cool, c'est bon, on l'a eu. Et on va le mettre dans le club. Voilà. Et puis maintenant, on va aller dans équipe. On va aller dans équipe. On va pas aller prendre tout de suite la récompense, de les voir pourquoi. Hop. Voilà. Échanger joueur. Voilà, comme ça tout le monde est au bon poste à part quelqu'un. Qu'on va se presser de changer. Voilà. Nickel, comme ça tout le monde est au bon poste, et il nous restera plus qu'une chose à faire. On va choisir lequel Farman, sans hésitation. Parce qu'il nous faudra un gardien, Gareth Bale. Je sais, Gareth Bale, ça fait envie. Mais Farman, c'est vraiment. En plus, c'est un Allemand. On va prendre Farman. Allez hop. Farman, je l'ai dans mon équipe normale. Il est très très fort. Très très fort. On va aller prendre. On va faire un défi création d'équipe. On va faire le truc, c'est parti. Voilà, allez, dépêche-toi. Partir de rien. Il faut un gardien. Un gardien qui nous sert à rien. Lui. Oh, lui plutôt. Soumettre équipe. Oui, il n'a plus affiché ce message. Comme ça, en plus, on a fini toutes les tâches managers. On va quand même faire un peu tout. Enfin, tous ces défis création d'équipe. Oh, déjà, on va pas prendre lui, ça c'est sûr. On n'a pas d'autre défenseur central. On a lui. Je crois qu'on l'utilise pas. Ok, nickel. Et un dernier, enfin. Partir de rien, on va faire. Il nous faut 3 nationalités, donc ça ferait allemand. Regardez. Allemand. Nickel. Voilà. Et voilà. Ce serait bon. Nickel. Donc on ira racheter. D'autres jours après, on va quand même ouvrir ces packs comme ça. Peut-être qu'on va avoir un beau truc. Alors, lequel plus intéressant? Ce serait lui le plus intéressant, bien sûr. On va ouvrir les packs bronze avant. On espère avoir un D, un MG. MDC, fitness, nul. Ok, on a eu des maillots. Ils sont moches, à part lui. Lui, on va le mettre à place du vieux jaune là, moche.
Hop là, voilà, toute équipe, tout dans le club. Pack joueur premium bronze, ça peut être intéressant aussi. Un défenseur droit. Ah non. Ça on n'en veut pas. Putain, on a que des défenseurs. Gardien, ça c'est nul. Même pas de. On a eu un défenseur droit allemand, ça peut être intéressant. Prendre ça. Ça va être qui? Ça va être. Milieu central, Herrera. Avec le truc de Burnley. Et ça qu'on a qu'à mettre maintenant. Burnley, on veut qu'elle mette, comme ça fera un truc or en plus. Voilà. Et tout est Cocteau Club, nickel. Un pack cadeau bronze, ça c'est un truc nul avec 4 éléments. Un MD, un gardien. Ça sert à rien les gardiens. On en a trop des gardiens. Des fois il y a des trucs beaux. Non, il est moche. Et là enfin on va ouvrir un pack de joueurs. Allez, un truc sympa. Turc. Il y a un défenseur central encore une fois. Pas terrible tout ça. Pas terrible. On va en rouvrir un parce qu'on a complété le tâche manager. Allez, on veut un truc bien. Et on a eu de l'or, Andy de l'or, ok. Attends, on a plein d'espagnols maintenant. Pas mal d'espagnols. Ah ouais. Ok, on va aller voir tout ce qu'on a. On va faire récapitulatif. On a fini les tâches manager. Donc voilà. Maintenant, il faut se concentrer sur notre équipe. Alors, on a eu pas mal d'espagnols du coup. Ça c'est. Pff, je suis mitigé maintenant. Je suis vraiment mitigé. On a eu un défenseur droit allemand. Moins fort. Nous, on a qu'à le laisser là en attendant d'ailleurs. Allez, on va acheter un MG. On va acheter un milieu gauche. De préférence or. Alors, les or. Allemand. MG. Hop. Lesquels y a-t-il ? Churle, 88 de vitesse, lui c'est intéressant, Churle. Royce, on va acheter Royce. Churle, intéressant. On va regarder le prix de Churle. C'est vrai que Churle est intéressant. Churle. Est-ce qu'à 1200, on le trouverait par hasard ? Oui. Est-ce qu'à 1000, on le trouverait par hasard ? Oui. Est-ce qu'à 900, on le trouverait par hasard ? Oui. Est-ce qu'à 800 ? 800, ça me... je pense pas. Mais si... Est-ce qu'à 700, on le trouverait par hasard ? Non. 750 ? Ouais. Pas de contrat. Écoutez, il faut mieux prendre un 800 avec beaucoup de contrats. Même si, se trouve, il n'y en a aucun qui a beaucoup de contrats. 10 contrats, intéressant. Intéressant, non, c'est pas très bien, mais bon, c'est toujours plus que 7. On va prendre le mec à 10 contrats, là. On va prendre lui. Hop, on va l'acheter. Assigné maintenant. Hop. Comme ça, ça fait un Allemand. En plus. Du coup, on va partir sur un Allemand, à mon avis. Voilà. Bah voilà. Ça commence à prendre forme, cette équipe. Ok, cool. Alors, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un match. On va juste renommer cette équipe-là. Pourquoi ils l'ont appelé Chevaugé? On l'a appelé... Hybride. Pour commencer, on va l'appeler Hybride. Je sais même pas si c'est écrit comme ça, Hybride. Je crois que si. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un match en ligne. Allez, c'est parti, match en ligne. Au moins 1. Pourquoi j'ai cliqué sur là? Je sais pas. On va faire un match en ligne, en saison en ligne. On devrait gagner. Je sais pas du tout. Si on va gagner. Je l'espère.
On va continuer. On va modifier plutôt. Est-ce que je ferais pas plutôt comme ça? Avec de l'or en pointe. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça, ça sera mieux. Ça sera mieux, on va mettre l'or là, tu vois. Et voilà, comme ça on aura pas mal d'or déjà. On va avoir une attaque or, ce sera beaucoup mieux, je pense, que laisser un Allemand pour faire plus 3 de collectif, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, nous avons son adversaire, on va voir son équipe. Ah, déjà, il a une belle équipe, lui. Déjà, il a construit son équipe. Voilà si. Benteke, je crois. Benteke. Dédé, c'est qui? Je sais même plus son nom. C'est Debuchy. Alex Morgan, je crois. C'est pas Carius, c'est Sacco. Clichy. Non, c'est pas Clichy, je sais plus. Il a déjà une petite BPL toute faite, lui. Il se met bien, il se met bien. Starter Team, j'aimerais bien voir une équipe de départ comme ça. C'est pas l'équipe qui fait le joueur, c'est son niveau. On est en bleu. Quoi? Ah, j'espère que ça va pas bugger. Donnez une chance. Okay. Une match d'un joueur acheté. Ah oui, ok. Voilà. J'espère que ça va pas trop bugger. En tout cas, de toute façon, je vous laisserai pas tout le match. Et on va essayer de le faire rage kit. C'est marrant. N'importe quoi, putain. Pourquoi je tombe sur des équipes? Des matchs buggés comme ça. Pourtant, j'ai une même peau. Oui. On fera croiser. Sans problème. 1-0. Tranquillement. C'était Aptman, c'est plus un bronze Aptman, mais belle frappe croisée. Belle frappe croisée. Bon, je suis désolé, ça bug un peu. Mais bon, ça va, le but il a pas bugué. Déjà ça. Allez, 1-0, on continue. Bon, en fait, ça, je trouve ça facile de jouer parce que je suis en division 1 avec mon premier compte. Donc c'est vrai qu'en division 10, il n'y a pas trop de difficultés. Croisé, dommage, il n'y a pas trop de difficultés. Il est tout seul. C'est vrai que si je joue contre un débutant, ça va être facile pour moi. C'est pas pour me vanter que je dis ça, c'est juste division 10 à division 1. C'est vrai qu'il y a du niveau, enfin, il y a de la. Comment ça? C'est pas les mêmes niveaux. Voilà, vous avez compris. Les gens défendent pas pareil, je vois pareil, jette. Ça se voit beaucoup qui jette là. Et justement, dans ce FIFA, faut vraiment pas se jeter. Voilà, on nous... C'est qui? C'est Delors. C'est rattrapé Delors ou pas? Non, c'est pas Delors. En tout cas, si c'est lui, c'est peut-être... En tout cas, il ressemble pas Delors. C'est Kalinic. C'est pas Delors. 2-0, en tout cas, on s'en fout un peu de qui c'est qui marque. J'aimerais bien qu'il rage kit, quoi. J'ai pas envie que ça bug. Moi, ça me fait une victoire déjà pour ce premier match. Oui. Dernière, je te dis de sortir, le mec sort pas quoi. Allez, bien joué. Bien joué. Il revient dans la course, c'est pas comme ça qu'il rachitera à mon avis. Mais gardien, je sais pas, je lui demande de sortir, il sort pas, ok. Gardien... Bon, ah oui, c'est Farman en plus, c'est. Oh, je suis fou Farman. J'ai cru que c'était le gardien bronze, mais en fait non, c'est Farman. Qu'est-ce que tu fous, Farman? T'as pas le droit. T'as pas le droit, même si on va mettre un deuxième but peut-être. Oh là là! Tout seul, mais non, je te ferai pas la passe. On fera une 2, ça c'est bien joué. Et on dit Delors, tu finis. Voilà, Delors, c'est attrapé. 3 buts 1. À présent, sans grande difficulté, même si on s'est pris un but, je sais, même si on s'est pris un but. Allez, il faut. Je suis sûr que si on met le quatrième, il peut quitter. Il peut quitter. Parce que c'est ce que je cherche. Pas qu'il mette d'autres buts. Oh là là, le tout droit. Oh, le tout droit avec BNTK. On va le stopper vite fait, ce tout droit. C'est bien joué. Regardez comment il tac.
On fait la PS. On fait la PS. Tranquille. Je vais essayer de marquer vraiment plus de buts pour Kira. La PES au moins était sûre de marquer. Bien joué. Et non, toujours pas. Ça doit être comme pas possible. Mais bon, ça ne m'empêche pas de marquer. 5-1 présent, ça devient trop facile. Ça devient trop facile, allez, rage, je sais pas, rage, fais quelque chose. Ne continue pas, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Bon, après je critique pas, hein. Je sais qu'il y en a qui jouent pas depuis aussi longtemps que moi, de leur croiser dans la rue. Moi, il y en a qui jouent pas aussi depuis longtemps que moi, donc ils ont pas l'habitude. Hein. C'est vrai que moi au début de la Xbox, j'ai pas non plus super l'habitude de jouer. Après c'est quand tu... plus tu fais de match, plus tu t'habitues. Penalty, présent. Masuaku aurait pu mettre le rouge hein, parce que c'est le dernier défenseur. Voilà, donc c'est Masuaku l'homme. Ok. Voilà, nickel, il tire sur le côté. C'est un présent, c'est un admittance, ça fait... C'est tranquille, hein. Mais bon, toujours pas de rush kick, toujours pas. Nickel. Allez, 8-1 à présent. C'est qui? C'est je sais même pas, il y a pas de nom sur le maillot, c'est qui est chiant. C'est Kalinic à mon avis. Voilà, Kalinic pour le 9ème but. Pour le 6ème but, sans doute. Ah oui, c'était un vieux but de merde sur un centre, c'est vrai. Allez, objectif du but, c'est pas encore fait, parce qu'il a l'air un tout petit peu mieux de défendre, ou c'est moi qui joue un tout petit peu moins bien. Enfin, mais on peut même pas dire que je joue bien, parce qu'on voit même pas mon niveau. En fait, le niveau, on le voit plutôt dans les carrières manager. Parce que les carrières manager, ils font pas ça, tu vois. Enfin, Hotman, doublé d'Hotman. Enfin bon, c'est pas mal. On voit pas le nom, je regarde, non, pas du tout. Ça, c'est dommage. À force, on va le connaître. Enfin. Allez, sur le. Pour ton premier but, sur le. Sur le. Pour ton premier but, sur le... Voilà, 10ème but, il est mis. Je suis même obligé de faire des changements. Regarde Hopman, regardez Hopman. J'arrive pas à dire son nom, c'est chiant aussi ça. T'aurais pu choisir un autre nom. Oh non, on va pas user Herrera, on va mettre lui, Peter. Palacios, ça passe de Timor. On a pas un Bélion, on va mettre lui, voilà. 10ème but, voilà, 10ème but, objectif rempli. Grâce à... sur eux. Et bien voilà, 10 buts en ligne, ça n'était même pas arrivé dans mon premier compte, et là ça y est. On s'est un peu calmé en deuxième période, on n'est que 3. Et ben voilà. Le 11ème but, hein, c'est... ça doit être l'autre là. Non, c'est Chourleux, ça c'est Chourleux. Je le reconnais, c'est Chourleux. Ça doit être ça... Ouais, c'est lui. 11-1. C'est du tennis de table maintenant. Enfin, c'est fini. On gagne tranquillement ce match. 11 buts à 1. Et on gagne des crédits, ça c'est sympa aussi. Ça c'est sympa. On gagne des crédits, ça c'est cool. Voilà un peu de crédit qui monte. Par contre, on va vite changer ce MC là. Maintenant, tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est bon. Il a saoulé ce MC. Il m'a saoulé. Ce serait cool qu'on ait un Espagnol qui joue en Bundesliga 1. Castro. Thiago. On va pas prendre Thiago, hein, bien sûr. Donc, en Espagnol. Qui joue en Bundesliga. Oh, shit. Oh, chier. Espagnol qui joue en Bundesliga à la place de MC. Bon, on parie combien qu'il va me sortir Thiago, hein, c'est sûr. Voilà, Thiago. Alors, on a Merino. Ok. On n'a pas d'autres gens. On n'a pas d'autres personnes. Merino.
Non, on n'a rien d'autre que Merino. Mais on va aller voir le prix Merino, on va le prendre, hein. Écoutez. Mais Mickaël Merino. Est-ce que à 750 on pourrait l'avoir? Oui. Est-ce que à 600 on pourrait l'avoir? Oui. Est-ce que à 500 on pourrait l'avoir? À mon avis, non. Oui. Ok. On va voir à 600 s'il n'a pas un peu plus de contrat. Ça m'étonnerait. Non. Donc on va le choper à 500. Hein, le premier que je vois à 500, voilà lui. Ok, Merino, il est pris à signer maintenant. Donc voilà, ça c'est les récompenses qu'on a eues dans le match. Eh bien, on les a maintenant. Là, on va aller changer ce petit Optiman. En plus, son nom est dur à dire, au moins ça sera mieux. On va mettre quand même en remplaçant à la place de... Non, on va le mettre en réserviste. Nickel. Nickel, comme ça au moins ça fait un lien avec MDC. Ok, donc il restera un contrat pour notre chère légende. On verra ça la prochaine fois. Hein. Qui on mettra à la place, qu'on achètera. Je pense que la vidéo a duré assez longtemps comme cela. C'est pour ça que moi je vais vous dire à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. C'était SamTG73. Salut.